Shalom, shalom, bonjour à tous, c'est votre sœur Deborah le Calou. Alors j'ai voulu juste partager quelque chose avec quelqu'un aujourd'hui. Écoute-moi, il arrivera dans la vie où tu dois te séparer de certaines personnes. Peut-être leur saison dans ta vie est finie. Mais la moindre de choses qu'on doit aux personnes avec qui on se sépare, c'est le respect. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas partir avec tout le monde là où Dieu t'emmène. Mais Dieu utilise qui il veut dans le couloir de ta destinée. Je suis en train de voir l'histoire d'Abraham et de Lot. Lot devrait quitter Abraham, mais plus tard, c'était l'intercession, la prière d'Abraham qui a sauvé la vie de Lot. Laisse-moi te dire que tu risques de tuer ou de détruire ton intercesseur sans le savoir. La moindre des choses qu'on doit aux gens quand on se sépare avec eux, c'est de leur respecter, car tu ne sais jamais. Ne brise pas les ponts, car Dieu utilise toujours les personnes ou des gens pour être des bénédictions pour toi. Écoute-moi, Dieu permet la séparation, mais pas la division. Sépare-toi avec les gens dans le bien. Sois en paix. Et ton Abraham ou ton intercesseur peut être ton église, ça peut être ton pasteur, ça peut être un boulot, ça peut être une relation. Écoute-moi, le respect toujours. Sois béni.